Salut les touristes. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je vais à la rencontre de quelqu'un qui a le même 4x4 que moi, qui est sur ce mur. Donc là, je vais quitter Angers. Alors comme vous voyez, il y a pas mal de brouillard. Et puis on va aller sur un terrain de 4x4. Donc c'est juste pour faire du franchissement. De toute façon, moi, j'ai pas mon but premier, c'est pas d'aller faire du 4x4, mais en même temps, c'est voilà de voir de quoi le 4x4 est capable de faire. Et comme ça, voilà, je sais de quoi il est possible, parce qu'il fait quand même 2,5 tonnes. J'avais un petit Samurai avant, un petit Suzuki Santana. C'était un LJ 413 exactement. Et voilà, c'était super léger. Il y avait des gros crampons dessus. Et d'ailleurs, j'aurais une histoire à vous raconter. Alors, je ne sais pas si je vais vous la raconter dans cette vidéo-là ou dans une autre, avec les crampons. Bref, et voilà, et il passait partout. C'est-à-dire que là, le fossé, vous voyez, je pouvais le traverser sans souci. Là, il fait 2,5 tonnes, j'ai des pneus route, alors voilà, je ne sais pas de quoi il est capable. Les pneus, normalement, ça va être changé, ça va être modifié, je ne sais pas quand, quand il y aura les sous déjà. Et puis, à moins que j'en trouve sur le bon coin, à bon prix, et ce serait pas mal d'avoir des gros crampons, comme ça j'aurai un train de pneus route et un train de pneus crampons pour l'hiver. Bref, donc voilà, donc je vais vous mettre les vidéos du 4x4 sur le terrain. Donc je suis un petit peu déçu parce que voilà, il y a pas mal de brouillard, je voulais faire des belles vidéos. Alors comme vous pouvez le voir sur le GPS, la Loire est juste là à droite, juste derrière les arbres, mais voilà. Bon, on la verra mieux peut-être tout à l'heure. Je sais que cette route-là, je la connais par cœur parce que quand je travaillais dans la livraison, j'y passais tous les jours. Donc on la verra peut-être mieux un peu plus loin. Mais voilà, j'aimerais bien que ça se dégage un petit peu, le brouillard. Quand je suis passé sur Angers, à un moment, ça y est, on avait le soleil, mais revenu sur les bords de Loire, on repart sur le brouillard. Bref, donc la suite arrive. Parce que j'adore avant tout l'humain, apprendre sur l'humain. Papa. Donc là, je viens de manger, ça se dégage un petit peu. Et je vais m'arrêter un peu plus loin, vous montrer la Loire. Donc, sur la Loire, de Saumur à Angers, vous avez pas mal d'air de pique-nique, comme ceci. Donc, tout en longeant la Loire. Donc ici on est à Saint-Clément-d'Élevé. C'est pour ça que j'irai là-bas.
Bon ben voilà, cette vidéo va s'arrêter là. Donc franchement, ça m'a permis de voir de quoi était capable le 4x4 et surtout de voir qu'avec des pneus route et même des fois restant en deux roues motrices, de franchir des trucs que j'aurais pas cru. Et donc voilà, et donc je suis quand même super surpris par ce qu'il est capable de franchir en quatre roues motrices avec les pneus route. Je ne m'attendais pas à autant, donc franchement c'est que du bonheur. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce j'aime.